Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing aujourd'hui avec la boutique GBFKE. Je remercie beaucoup la boutique GBFKE d'avoir collaboré encore avec moi. Ils m'ont proposé une certaine somme donc pour choisir des articles dans leur boutique et j'en ai choisi une, deux, 3, 4, 5. Voilà, j'en ai choisi 5. Donc, je vais vous montrer tout ça. Alors, je vais d'abord vous montrer les petits comme ça et les deux grands. Je vous montrerai face bureau. Voilà. Hop. Désolée pour le bruit. Alors, il y a une broderie. Il y a un DP. Une deuxième broderie et deux accessoires. Allez, bah tiens, aujourd'hui on commence par les accessoires. Alors, ça faisait un petit moment que je les voulais. Je vois pourquoi j'avais attendu, mais bon, voilà. Hop, ça c'est belle. C'est des pinces pour la broderie ou pour le diamond painting. Hein, ça peut, vous pouvez vous en servir pour les deux. Voilà. Donc, c'est un lot de 3 pinces comme ceci, en plastique, hein, voilà. Et elles ne sont pas du tout dures à appuyer. Voilà la grandeur, elles font à peu près une petite dizaine de centimètres, voilà, en longueur. Alors, ces pinces-là vont me servir, principalement en broderie, voilà. Surtout pour mes grandes broderies, puisque je les roule, pour pas tout dérouler pour broder, je les roule. Je ne mets pas sur les tambours, vous le savez, hein, à part une broderie qui est sur tambour, mon HAED, qui ferait que peut-être que je mette mon nez dessus pour l'avancer. Donc voilà, ça va me servir à tenir les bords de broderie que je roule. Voilà, parce que pour l'instant, je mets des petits trombones. Alors avant, j'avais des grandes, mais j'en ai plus. Je les ai revendues. J'étais bête, j'aurais dû m'en garder quelques-uns. Vous savez, les très très grands trombones de chez Action. Ah, 1, 2, 3, 4, 5 ça peut bien fonctionner aussi si vous voulez bloquer votre broderie quand vous l'enroulez. Alors voilà, donc du coup, j'ai mes 3 pinces. Voilà, je suis super contente. Elles m'ont l'air bien solides. C'est du plastique dur. Bon, on verra l'usage. Hein. Mais non, elles m'ont l'air bien solides, de bonne qualité. Voilà. Alors, ça, donc c'est vendu par 3. Ben, je vais vous dire les prix. Bon, c'est rare que je dis les prix, mais bon, là, je vais les dire. Donc le lot de 3 pinces comme ça, 2,49 €. Ça va, ce serait dommage de s'en priver. Donc voilà. Ensuite, c'est du fil, une bobine de fil pour broder. Mais elle est multicolore. Alors attendez, avant, je regarde s'il y a des caractéristiques décrites dessus. Non, puis c'est écrit en chinois, donc je ne peux pas lire le chinois, désolé. Par contre, je ne sais plus. Alors, je vais vous remarquer, j'ai oublié de le noter sur mon cahier. Je vous remarque ici en bas le nombre de mètres qu'il y a dedans. Je pense que de mémoire que ça doit être 2000, mais je vous le marque. Voilà. Alors, voilà le fil que j'ai pris. Vous voyez, c'est une grosse bobine. Hein. C'est un fil tout en dégradé, multicolore. Alors, est-ce que j'ai un petit bout qui dépasse là? Voilà. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Bon, tu viens pas? Viens te montrer.
Voilà, vous voyez, c'est un fil vraiment très très fin. Il est plus fin que le fil à broder. Ça ressemble plus à du fil de couture. Voilà. Donc, je pense que là, pour broder, s'il en faut deux, j'en mettrai peut-être quatre. Voilà. Je ferai quatre tours parce que là, il me paraît vraiment très, très fin. Alors, j'essaye. Voilà. Vous voyez, à mon cou, là, on le voit dans mon cou. Il est vraiment très, très fin. Donc, je pense que si je m'en sers pour broder, je ferai peut-être quatre fils. Voilà, pour faire mes croix. Je ferai des essais. On en reparlera. Mais j'aimais bien, c'était la couleur. Vous voyez? Alors, attendez. Hop. Alors, il y a du bleu, du vert, du jaune, du orange, du rouge. Il y a encore... Il y a du noir. Non, non, c'est pas du noir. C'est du bleu très foncé. Ou alors un noir peut-être, ouais. Voilà. Donc il y a quand même pas mal de couleurs dans ce fil. On verra ce qu'on fera avec. Je l'ai pris parce que j'aimais bien la couleur. Mais j'ai une petite idée. Ensuite, alors ça je peux encore vous le montrer comme ça face au téléphone. J'enlève du plastique pour pas faire de bruit. Alors, c'est un marque-page, voilà, avec un gnome. Alors, je ne fais jamais de gnome, c'est vrai, je ne pense pas faire des gnomes, mais bon. Alors, dans le paquet, nous avons d'abord ben, la petite feuille. Bon, je vais mettre ma main dessus, hein, puisque c'est une grille payante. Avec, hop là, voilà. Avec la grille, il y a 7 couleurs. Alors, je regarde. Niveau de la légende. Non, bah ça va. La légende, il n'y a pas de piège. C'est bien du numéro 1 au numéro 7 sur la légende. Donc ça va. Avec, on a hop, le petit pompon. Voilà. On a deux aiguilles dans le petit sachet. Le petit stylo très très fin comme ça, parce que c'est pour marquer son milieu sur la toile. Mais comme ça ne marque pas, je ne me servirai pas de ça. Parce que les toiles sont en plastique et que le stylo bave un peu sur le plastique. Voilà. Donc, moi, maintenant, je fais mes marques au crayon gris, au crayon de bois. C'est tout aussi bien. De toute façon, après, s'il y a une croix faite dessus, on ne le voit plus. Mais au stylo, je ne le fais plus parce que la dernière fois, le marque-page que je suis en train de faire, vous vous rappelez, le blanc, ça avait un peu... le stylo avait un peu dégorgé sur le blanc. Voilà. Donc, on a deux toiles, comme ceci. Alors, pourquoi deux? Je ne sais pas. Ah oui, on peut les... peut-être les... Oui. Donc, on va les mettre l'une sur l'autre et après coudre. Et comme ça, on ne verra pas le derrière du marque-page. Mais tout aussi bien avec un tissu. Hein. Voilà, et puis je garde ça pour un autre marque-page. Et ensuite, très important, les fils. Hop. De ce côté-là. Donc, on a les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La référence de la broderie. Et voilà, les couleurs. Alors... En partant d'ici, du jaune, du noir, du rouge, du orange, vert foncé, un vert un peu plus clair et un rose très pâle. Voilà. Hop, je vois que ça floute, arrête de flouter. Voilà, donc de jolies, jolies couleurs. Là pour un gnome, hein, c'est souvent c'est des couleurs assez pétantes.
Voilà. Bon, il n'y a pas beaucoup de fil, mais il n'y a pas beaucoup à broder non plus. Donc, il y aura assez sans problème. Donc, voilà pour le marque-page. Alors, le marque-page, lui, je ne vous ai pas dit. La mesure, c'est 18 cm sur... 18,8 sur 5,4 cm. C'est un 14 CT. Voilà. Et donc, en nombre de points, c'est 30 sur 104 points. Voilà, je vous ai tout dit. Et le prix... Alors, le prix, 3,49 €. Voilà, c'est pas énorme, hein, c'est... Allez, bon, ben, ah, ça y est, j'allais dire, je vais le ranger, si je vais le ranger après, parce qu'il veut pas, voilà, je vais vous mettre maintenant face bureau, comme ça je vous montrerai mieux le DP et la broderie, à tout de suite. Allez, je continue avec la broderie et on terminera par le diamond painting. Donc, c'est une broderie DIY cross stitch. Voilà. Donc, DIY cross stitch, souvent, on a la petite surprise sur le patron. Mais bon, ça ne me pose pas de problème quand c'est une broderie estampée. Alors, d'abord, je vous montre le modèle. La feuille est un peu chiffonnée, hein, mais... Voilà le modèle, des chrysanthèmes avec des jolis oiseaux, la lune, voilà. Alors, c'est un... Alors, la taille, est-ce que je me la suis marquée? Oui, c'est un 40-55 en totalité, ce qui fait une broderie de 36 sur 51 cm et ce sera du 11 CT. Voilà. Alors, on va commencer par les fils. Tiens. Ah, si, il est là. Je me disais, j'ai pas eu le patron. Voilà. Le patron, feuille A4. Donc, j'ai déjà passé le message hein, à certaines boutiques. Dont une qui fait que de la broderie, justement, j'ai parlé avec la conseillère que j'ai toujours par email. Et ils ont fait remonter l'information au fabricant. Maintenant, il faut qu'on voit s'il va faire l'effort d'agrandir ses patrons. Parce que feuille A4, hein. Je veux bien, mais moi, avec mes petits yeux, heureusement que c'est de l'estampé, ce serait du point compté, là, impossible à faire. Rappelez-vous, avec ma broderie du chat en noir et blanc, que je n'ai jamais fait et que je ne pourrai jamais faire. Donc, voilà. On a les références, les symboles et les références DMC. Plus les couleurs qui correspondent ici sur le côté. On a 25 couleurs. Voilà. Donc, vous avez le rappel du dessin ici. Donc, c'est bien une broderie 40-55 complète. Complète, ça veut dire que c'est toute la toile. Avec 129 sur 194 points. Voilà. Les couleurs. On a de très, très belles couleurs. Alors, attendez, je vais peut-être enlever le flash. Voilà, vous verrez mieux. Voilà, du vert, du bleu, deux sortes de rouge. Voilà, comme ça. Un joli gris, un beige. Alors, des oranges. Alors là, ça vous fait un peu jaune, mais c'est bien orange, hein, celui-là. Si je rebaisse la lumière, est-ce que vous voyez mieux? Oui, vous voyez plus naturel. Voilà. Ici, on a du bleu marine, du marron foncé, là. Un couleur rouille.
un vert, moi j'appelle ça vert poubelle. Alors, vous voyez, vert bleu, du noir, un autre orange, et de ce côté-ci, un tout petit peu de blanc. Voilà. Et une palette de vert, vert bleu, voilà. Et au milieu, ici, c'est un marron. Voilà. Donc, vraiment de jolies couleurs. Donc, il n'y a pas d'échevette supplémentaire. Et maintenant, la toile. Alors, on a ici nos deux aiguilles plantées dans la toile. Est-ce que vous voyez bien? Alors, en entier, la voilà. Donc, on a notre légende de 25 couleurs avec les 1, 2, 3, 4, 5, blabla. Alors, les premiers chiffres correspondent aux chiffres qu'il y a sur le trieur de fil, hein. Là, les symboles, les références DMC et les couleurs réelles des références. Alors, au niveau des symboles, est-ce qu'on a quelques petites difficultés ou pas? Non, celui-là peut-être. Alors, je vous les montre de plus près. Voilà. Je ne pense pas que j'aurai des difficultés. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas de réelle difficulté. Alors, par contre, on a quand même un peu de confetti, mais bon, c'est pas énorme. Je vous montre l'impression. Voyez, je pense pas avoir de problème pour reconnaître les symboles, hein. Voilà. Bon, là, on va avoir un grand bloc. Donc, ça, le jaune, ça va être le noir, hein, si je ne me trompe pas. Ah non, il n'y a pas de noir. C'est pas un noir, celui-là, alors. Ah, attendez. J'ai pas bien. Bah non, c'est un bleu marine. Bah non, il y a un noir, là. Attendez, je me mets à la lumière pour voir. Oui, non, c'est un bleu marine. On a deux bleus marines, un plus clair, un plus foncé. Et voilà, donc celui-là, c'est du bleu marine, c'est pas du noir. Voilà, j'avais confondu. Et donc c'est bien le 17, celui-là. Oui, c'est ça. Donc c'est ça, le bleu marine foncé va aller là où il y a du jaune. Bon, il n'y a pas grand, beaucoup, hein. Mais ça va. Les symboles ici en haut pour l'impression, c'est pareil, hein, c'est nickel. Alors la toile n'est pas, non, elle n'est pas surfilée. Voilà, je vous montre. Il y a juste un, vous voyez, hop. Donc il faudra la surfiler. Bon, moi je fais à la machine hein, souvent, je m'embête pas. Mais de toute façon, les DIY cross-stitch, je ne les ai pas toujours. C'est rare que je les ai en surfilé. Et sinon, est-ce qu'on voit bien? Est-ce que tout est bien droit? Oui, ça suit bien la ligne. Il n'y a pas. On n'a pas de souci de décalage. Vous voyez? Non, ça devrait le faire. Les couleurs avec hop voilà donc ça c'était donc le kit de broderie. Alors je vous rappelle c'est du
J'ai dit du combien tout à l'heure? Ah non, c'est sur mon cahier que c'est marqué. C'est du 11CT. Hein. Donc, on va le broder avec 3 fils. Alors, je sais qu'il y en a qui le brodent quand même avec 2 fils, mais moi, j'aime pas. Il faut le faire avec 3, je le fais avec 3. Pas parce que je suis bête et disciplinée, c'est parce que je trouve ça plus joli. Ça, je trouve ça plus rempli, plus gonflé au niveau de la broderie. Donc, moi, je le fais, quand c'est du 11CT, je le fais en 3 fils. Je cherche pas. Voilà. Et le 14CT en 2 fils. Voilà. Pour la broderie. Je vous montre maintenant le DP qui va être pour, devinez, chouchou. Allez, je vous montre tout de suite le dessin. Hop. Un joli Bouddha avec une colombe sur son épaule. Il a les pieds dans l'eau, là, hein, sur l'eau. Alors, on a le toolkit avec, comme d'habitude, j'ai chaud. C'est un 30-40 en perles rondes avec 22 couleurs. Alors, je vais vous montrer les couleurs. En sachet zippé. Voilà. Ah, ça colle. ça colle. Allez. Voilà. Je suis désolée de souffler, mais là, je meurs de chaud. Je suis en train de mourir à petit feu. Alors, ça, c'est combien? Non, c'est pas du noir. C'est un gris très foncé. Bon, c'est des couleurs un peu neutres, mais bon, c'est un Bouddha, hein. Ah, ben alors, ça colle. Ça, c'est la chaleur qui fait ça. Voilà. Pas un vrai blanc. Voilà. Et le dernier, le noir. Voilà. Donc voilà pour les couleurs. Alors, on va regarder maintenant. Alors, je vais mettre les perles de côté, je rangerai après. Je vous montre de plus près le DP. Alors, c'est une toile pailletée. Et voilà l'impression. Nickel, hein. Même les blancs, on les voit bien. Niveau colle, ben ça colle. Hein. Il n'y a pas de problème. Alors, comme d'habitude, hein, nous, on va remettre avec du papier sulfurisé. C'est beaucoup mieux que ce plastique. Voilà. Voilà.
c'est mieux. Donc voilà, le DP. Je vous mets la photo hein, pour que vous voyez mieux. Comment ? L'image. Donc, sur la toile, vous allez retrouver la légende en haut à gauche et en bas à droite. Vous avez la référence du DP, la taille, bon, Diamond Painting, le rappel de la petite image. Mais vous voyez, allez. Bon, il veut pas. Voilà, mais je vous mets l'image, ce sera mieux. Et ici en bas, les explications, si vous ne savez pas faire du DP. Bon, c'est assez succinct, mais de toute façon, le Diamond Painting n'est pas compliqué à faire. Hein. Celles qui n'en ont jamais fait, qui viendraient pour la première fois sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos de Diamond Painting, vous verrez comment on fait du DP. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Donc, je vous aurai présenté aujourd'hui plusieurs choses. Je vous remontre. Alors, le DP, la broderie, voilà. Le petit marque-page en broderie également. Donc, lui, il est au point compté. Hein. C'est ça que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, mais vous l'avez vu. Hein. Mes petites pinces pour tenir mes broderies. Et le fil que j'essaierai pour voir ce que ça donne. Voilà mes petites trouvailles pour la boutique GBFKE. Je vous remets en barre d'infos, comme d'habitude, tous les liens utiles et nécessaires. Et si j'ai d'autres informations, code promo ou quoi, je ne sais plus si j'en ai un avec eux. Mais je vous mettrai ça en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Dites-moi si vous avez déjà un de ces kits ou si vous avez envie de les acquérir, tout au moins un en broderie, le DP. J'aimerais bien juste le savoir, hein, comme ça, par curiosité. Voilà. Et nous, on va se retrouver très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.